Hey, salut ma jeunesse. Hey, salut ma jeunesse. I'm not a writer. Okay. Vous allez bien, moi ça fait zizir, je suis complètement cuit, c'est pour ça que j'ai du mal à donner une intonation assez enjouée. Hein. Niveau sommeil, je pense que j'ai pas accumulé les heures nécessaires à un bon repos. Voici le programme de la journée, j'ai enfin mes nouveaux pneus après un mois d'absence, j'ai enfin pu les remplacer. Et comme on voit, c'est super, c'est génial, il y a un super temps, pas de merde, hein. Voilà, je veux dire, à un moment donné, faut pas se mentir. J'ai pensé à recharger deux batteries de GoPro, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron qui va pas tomber en feuille de batterie? Ah, je suis cuit. Ouais, les amis, je vous fais des photos parce que là, maintenant, après ce moment, c'est plus intéressant de garder la ligne droite. Je vous dis à tout à l'heure, on va garder un peu de batterie pour cette... Ah, les amis, il a une GoPro. Il a une GoPro. C'est ça qui est bon. Il a une GoPro et il filme en plus. C'est ça qui est bon. Ça fait zizir à la famille. Je sais pas si c'est qui je suis parce qu'il filme. Mais ça fait zizir en tout cas. C'est énorme. Un mec, il a une GoPro, il filme, frère. Wow. Énorme. Énormissime. Et du coup, je crois que je lui ai même pas dit bonjour. Faudra qu'on regarde sur les rushs, frère. Je crois que je lui ai même pas dit bonjour en vrai. Parce que j'ai bugué sa caméra. En plus, j'ai vu qu'il était en train de filmer. Et moi, je suis timide. Du coup, je l'ai regardé. J'ai fait. Ah merde, il va à gauche. Merde, dommage. Oh putain. Putain, c'est énorme. Oh, Montpellier solitude, mais plus solitude. Est-ce que vous vous rendez compte de ça quand même? Mais c'est un truc de ouf. Ah mais là, je suis content du coup. Oh là là, ça fait zizir. Eh, hey, si tu te reconnais, je te fais des poutous. C'est énorme. Ici, il n'y a jamais de brouillard. Donc quand il y a du brouillard... Autant vous dire que ça pue. Derrière moi, il y a un motard qui arrive derrière moi. Il a dû voir, j'avais une caméra. Il s'est dit non, on va pas le doubler parce que jamais si il me fait mal avec la caméra. Je vais parler le plus rapidement du monde. Je m'appelle Eminem. Tiki-tiki Slim Shady. Il y a le beau temps. Et ça, c'est l'essentiel. Pas comme chez vous. Sur Snapchat, vous m'avez fait mourir de rire. Vous m'avez envoyé des photos. Il pleut partout chez vous. C'est abusé. C'est un truc de malade. Moi, chez moi, il a fait beau toute la semaine. Et dès que je récupère les pneus, break at the bear. Direct, il fait un temps de pourritation. Oh là là, on voit rien. Normalement, il y a de l'eau là. Il y avait des petites lames roses, mais je pense pas qu'on les ait vues. Regardez-moi ça, frère. C'est un truc de ouf. Mais regardez là, plutôt que de regarder mon nez qui bouge quand je parle. C'est un truc de ouf. Un autre truc que je comprends pas, c'est même pas le soleil, ça c'est la lune. Il n'y a plus que deux doudes. Là je suis tout excité. Parce qu'on va voir Sliduc. Eh ben, le gendarme s'en chicane. C'est beau ça. C'est beau. Ah, j'espère que je vais pas me prendre le pont là. Ah, sinon j'aurai la nerfitude. Ah non, ou pas. Te sens pas obligé de me dire bonjour. Hein. Ah, je fais une grosse doudicace aux snappers. Ceux qui me snappent, ceux avec qui je snap. Je vais pas vous citer parce que. On va pas faire des jaloux. Mais je vous fais des gros poutous. Ça fait quelques jours là que je m'y suis mis. Et franchement, vous me faites rêver. D'ailleurs, si vous voulez snapper, n'hésitez pas. Parce que je vois, il y en a plein. Ils regardent la story et tout. Je pose des questions, tac tac. Il y en a, je vois, ils doivent pas oser répondre. Ou ils ont la flemme. Attention, si t'as la flemme, tu peux. Ça, y a pas de souci. Bon, désolé, mon Sliduc, mais attends, je vais faire un petit tour de rond-point là. J'aime bien les ronds-points. C'est vachement doud. C'est le phénomène du doudisme. Quand je vous dis doudi, je vous le dis là, mais parce qu'en fait, c'est dans la vraie vie que je le dis, tu vois. Mais ça veut dire quoi? Mais le pire, c'est que je suis obligé de dire merci. Ça fait plaisir quand même, mais c'est un peu relou. Et ouais, en fait, le doudisme. C'est parce que comme je vous disais, bon, moi je vous dis doudi ici, mais doudi c'est enfin dans la vie je le dis 1257 fois par jour. Et en fait, je suis tellement atteint. Oula, je suis tellement atteint que j'en suis même venu à faire en fait comme les schtroumpfs. En gros, je remplace tous les mots par doud. Je vous ferai un exemple tout à l'heure.
Mont-Blanc, on est bientôt arrivé au Doud, on va rencontrer le grand Doud. D'ailleurs un jour je vous raconterai l'histoire du grand Goudoud. Je crois qu'il est là-bas. Là j'ai vu un mec qui m'a regardé mais je suis pas sûr. Alors je vais me calmer quand même. Mais si il en a le Doud. Tu veux que je lève? Tu veux que je lève? Ah parce que je vais te montrer comment je wheeling hein. Comment ça va? Ça va et toi? Ah je t'ai arrivé de loin, je suis son bruit. Ah, nouveau pneu. C'est tout neuf. Ça fait zizir. Ouais, j'imagine pour toi ouais. Regarde, je vais te montrer. Parce que tu sais pas toi maintenant. Ouais mais il y a trop de monde, je vais me taper la honte. Attends. Attends. Regarde, je vais aller là-bas. Je vais le faire devant toi là. Oh non! Attends! Oh putain! Quel con! Bon au final c'est la nuit. Je voulais vlogger un peu mais c'est un peu fail, t'as vu. Donc une grosse dédicace à mon slide deck. Allez voir sa chaîne. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo là, spammez-le un peu. Hashtag Slidic fait des vidéos frère, la famille. Et ouais, il est un peu trop long mais allez-y faites-le. Ah si il a sorti une vidéo aujourd'hui. Enfin je sais pas quand ça sera du coup quand vous verrez cette vidéo mais allez la voir. C'est le kiff kouf. Ouais, moi je suis tellement une pipelette. Bon de toute façon vous le savez hein. Je suis tellement une pipelette de ouf qu'au final je voulais rester pas très longtemps. J'ai pensé à recharger deux batteries de GoPro. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron qui va pas tomber en faille de batterie? Mécanicien. Allez, je vais les aider les pauvres. En plus, c'est des anglais, je parle très bien anglais. Allez, je vais les aider. Non, je rigole. Ah, je m'en bats la race. Imagine le gars. Le mec, il va d'un côté. Non, rien à foutre. Oh, mais il y a des bouchons.